Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma huitième ronde du Grand Prix du Cap d'Agde. J'ai les pièces blanches et je dois marquer un point et demi sur deux dans les deux dernières pour faire ma norme de maître international féminin, ce qui est l'objectif que je m'étais fixé dans ce tournoi. Et j'ai les blancs contre un joueur moins bien classé, Laurent Maquet, mais attention. C'était quelqu'un qui était 2200, très jeune, vers 11-12 ans. Il avait déjà 2200. Il a un an de plus que moi, l'âge de mon grand frère. Et par exemple, il avait battu mon grand frère en championnat de France jeune. Donc quelqu'un de talentueux, mais qui a arrêté de jouer pendant des années avant de reprendre. Il a même d'ailleurs été président de son club historique, Bois-Colombes. Donc j'ai les pièces blanches. Un nouveau début de Londres, je vais passer assez vite sur le début. Il me joue un système est-indien, on cache le fou en H2, très bien, ça ressemble au système Réti couleur inversée également. Donc un début assez plat a priori, mais quand même, toutes les pièces sur l'échiquier, plein de possibilités de complications, et spoiler, c'est ce qui va se passer. Ici, cavalier C6, ça m'avait un peu surprise, d'habitude on joue plutôt cavalier D7. Et d'ailleurs, là, le coup C4 n'est pas terrible parce que les noirs ont cavalier E4, ils profitent du soutien du fou B7. Et ici, si on joue le coup de développement cavalier C3 avant, les noirs cassent la structure en prenant. Si on joue le coup de développement cavalier BD2, les noirs prennent. Et si on fait dame prend, on se retrouve avec ce cavalier pas forcément bien placé en F3. On préférait qu'il soit en C3. Et c'est la raison pour laquelle ici, on joue plutôt cavalier FD2. C'est le coup de thématique. Et dans cette position précise, c'est pas forcément le mieux parce qu'après prise, dame prend, on va pouvoir jouer cavalier C3, c'est cool. Mais les noirs ont une petite astuce. E5 et sur pion prend. Le coup intermédiaire dame G5 menace mat. On n'a pas fou F3, il y a fou point F3. Et c'est un peu la crise. Même si l'ordi, comme d'habitude, il arrive à défendre. Donc sur cavalier BD7, on ne peut pas vraiment jouer C4. Mais sur cavalier C6. Sur cavalier C6, pardon, le coup de la partie, j'en ai profité pour jouer C4, parce que là, cavalier E4 manquerait de soutien, on pourrait l'attaquer avec dame C2 par exemple, ou fou D3. Donc il a joué cavalier D7, mais l'autre, cette fois-ci, cavalier FD7, pour pouvoir jouer E5 et F5, et attaquer à l'aile roi, comme sait faire tout bon joueur d'Est indienne. Je place le cavalier en C3, E5. Et donc maintenant que le cavalier est en C6, ça me va de fermer le centre par D5, donc ça ressemble plus, enfin de plus en plus, ça va ressembler à une vraie est indienne, avec quand même des différences notables. Donc le cavalier se retrouve en E7, c'est pas la meilleure pièce des noirs dans l'est indienne, que les blancs jouent E4 ou non, et le fou en B7, il tape sur un mur. Bon, cela dit, ce plan F5, H6, G5, etc., est tout balancé, il peut être fort. Il faut quand même trouver du contre-jeu. Je joue à l'aile dame. Les noirs veulent jouer à l'aile roi. Je m'attendais à F5, profitant d'une petite tactique. Si je joue le coup tentant cavalier G5 pour aller en E6, punir l'affaiblissement du pion F. Là, c'est une gaffe parce qu'il y a le typique cavalier prend D5, attaque à la découverte le cavalier G5 et sur cavalier E6, cavalier prend C3 et on est totalement foutu. Donc sur F5, j'aurais pas joué cavalier G5 du coup, j'avais vu ça, j'aurais continué mon placement de pièces à l'aile dame sur un coup comme H6, prépare G5. E4 c'est pas forcément bien parce que le cavalier peut aller en D4 puis en E6. Mais le plan c'est G5 et tout balancer quoi. On y va gaiement à l'aile roi. Ici, je voulais jouer cavalier D2 pour sur G5 empêcher un peu l'initiative noire par F4. Ça amène des structures de pions intéressantes, et notamment, j'avais dit que même quand le pion était en F2, que E4 n'était pas terrible. Là, on peut se dire, mais attends, les noirs prennent, on reprend, E4, création du pion passé protégé, et en plus, il n'y a pas de bloqueur tout de suite en E3. Mais ça, c'est très mauvais pour les noirs, en fait. Le cavalier vient en B3. Plus tard, il pourra aller ici et là. Cette structure, elle a de solidité qu'apparente, parce que
tôt ou tard, les blancs vont pouvoir la miner par G4. Le roi noir est durablement faible. Les noirs ont poussé H6, G5, F5. Bon, c'est pas ce qu'on conseille de faire après avoir joué le petit roque. Et les pièces à la dame, notamment le fou B7, sont toujours hors jeu. Donc voilà comment je voulais jouer sur F5. Mais sur B4, il a joué A6. Un coup intéressant, ça prend la case B5 au cavalier. Et ça peut même préparer B5 pour justifier le placement du fou B7. Si jamais les noirs arrivent à récupérer le pion D5 dans de bonnes conditions. Donc par exemple là, sur un coup comme dame C2, B5 n'est pas totalement impossible. Mais donc je suis allé en B3 pour consolider le pion D5. Et donc là, il n'y a pas d'histoire de B5. Et donc pareil, on pouvait imaginer F5. La variante est un peu différente. Pas forcément bonne pour les noirs, mais très intéressante. Alors je vous la montre. Cavalier G5. Si évidemment, si les blancs jouent cavalier E6, c'est fini. Donc il faut se lancer dans cavalier prend D5. Cavalier E6. Cavalier prend C3 quand même. Alors tout à l'heure, ça attaquait la dame. Là, ça attaque le fou sur échec. C'est moins fort, mais c'est quand même intéressant. Donc cavalier prend E2, c'est toute l'idée. Rapprend et tour prend D8. Et donc c'est une position très intéressante où pour l'instant, les noirs ont trois pièces et un pion pour la dame. Donc c'est largement assez. Le problème, c'est que le cavalier E2 est mal en point. Mais attention, si on fait un coup un peu naïf comme dame C2 en se disant le cavalier n'a pas de case, je l'attaque, les noirs contre-attaquent. Et on peut se retrouver totalement perdant. Surprise en E2, que joue les noirs. Pas fou prend G2 suivi de F3, même si c'est bien, mais simplement F3 tout court, bien plus simple. Et si la dame bouge, le pion prend et reprend en F1 ensuite. Donc c'est pas si simple. Ici, l'ordi trouve le joli C5 échec. Pour la suite, avec l'idée que ce dame C2 maintenant fait une double menace, attaque le cavalier et menace C6 aussi. Et il donne un avantage blanc. Bon. Les noirs vont finir avec, par exemple, deux pièces et deux pions pour la dame. Et une position intéressante. Donc F5 était quand même possible avec ses complications. Donc dès le début de la partie, c'est une partie très riche, très complexe. Et c'est souvent le cas, même dans des débuts de Londres. On dit, ouais, début de Londres, boring et tout. Ouais, mais ça amène une partie comme là, avec toutes les pièces sur l'échiquier. Et donc évidemment des possibilités infinies de complications. Donc H6 pour empêcher cavalier G5, on comprend pourquoi. Tour D1, petit coup de centralisation, F5, cavalier A4, bon, ne centralise pas du tout, le cavalier me balle, mais on comprend le plan, c'est pour pouvoir jouer C5, cavalier F6. Il n'y a pas vraiment de tactique plaisante. Prise, alors l'ordi il dit que ça va, mais... En vrai, j'étais un peu surprise parce qu'il joue D6. Et surprise, cavalier prend B6, il joue avec une pièce nette de moins comme si de rien n'était. Bon, ici, par exemple, donc, alors c'est sûr qu'il y a des C5, échecs qui peuvent arriver, mais bon, ça a pas l'air transcendant. Mais l'ordi donne au roi H7 C5 suffisamment de compensation. Bon. J'avais regardé les sacrifices sur E5, moi ça me paraissait beaucoup trop optimiste. Mais donc j'ai joué C5, c'est plutôt un bon coup pour trouver du jeu à l'aile-dame. Alors vous voyez la jauge aussi, même pour l'ordinateur, la position est complexe. Et ici, l'ordi recommande la capture du pion par le fou. Ça me faisait pas peur du tout, mais peut-être à tort. Alors il donne la longue variante suivante. Moi je m'étais pas réfléchi plus que ça. J'étais contente de jouer fou C4. Mais il joue roi H7 et sur les prises, les blancs ont gagné du matériel. Et j'avais dû m'arrêter là ou peut-être après E4 cavalier D4. Et ici, les blancs sont même, enfin seraient plutôt, seraient totalement gagnants s'il n'y avait pas cette suite d'ordinateur. Prise en C5, d'un pion D8. Puis on prend, il échange le fou. Puis on prend, tour prend. À noter que si. Il y a longtemps déjà, maintenant, les noirs avaient joué roi H8 à la place de roi H7. C'est souvent une chance sur deux. Est-ce que je joue roi H8? Est-ce que je joue roi H7? Mais là, roi H8 aurait perdu à cause de fou E5. Avec le roi H7, les noirs sont mieux. Et ils sont mieux
pas non plus évident parce que le matériel c'est maintenant fou cavalier contre tourpion, donc ça va, mais les pièces blanches sont décordonnées et il y a cette menace de mat terrible, et du coup les noirs sont mieux. Donc tout ça pour dire que sur ces 5, l'ordinateur prend un des 5 avec le fou, et il fallait pas s'arrêter aussitôt que là. C'était quand même déjà assez loin, cette position me paraissait gagnante, mais en fait, il y a toute la suite que je vous ai montrée. Bon. Donc, pas trop de regrets d'avoir joué C5. Il y a eu prise en C5. Je vais toujours quand même regarder les cavaliers prend C5, ça marche pas. Il y a ce genre d'idée. Mais, fou prend D5, calme. Donc, sur B prend C5, j'ai simplement repris. Non, j'ai simplement repris avec le pion, pardon. Tour B8, je vais assez rapidement, bon, mais très, très logique de mettre la tour en face de la dame. Ici, l'ordinateur recommande plutôt cavalier C3, et avec un peu le même genre de position que je voulais avoir, mais en mieux, parce que c'est l'ordinateur. Sauf que vous prenez D5, on accepte le sacrifice du pion, on joue simplement dame A3. Et certes, les blancs ont un pion de moins, mais avec les colonnes ouvertes. Et le roi noir durablement faible, là maintenant que tout le centre est ouvert, il va beaucoup moins y avoir de G5, G4. On ne peut pas se permettre de pousser tous ses pions à la roi quand le centre est ouvert et les blancs sont beaucoup mieux d'après l'ordinateur. Je voulais jouer dans cet état d'esprit, mais avec fou C4. Évidemment, c'est moins fort. Donc là, je m'attendais vraiment à soit roi H8, soit roi H7. Il a joué à roi H8, on aurait pu jouer à roi H7. Et l'ordinateur, comme d'habitude, joue un coup que je pensais tactiquement pas bon. Mais il se trouve que l'ordi à 3500 calcule mieux que moi. Ce coup, c'est comme tout à l'heure, fou prend D5. Donc j'avais évidemment prévu ça. Et comme mon adversaire, on pensait que tour prend D5 était très bon. C'est un jeu, le joli coup que j'avais prévu. On capture le fou et sur tour prend dame, on fait juste l'échec à la découverte et les blancs sont gagnants. On va, par exemple, après roi bouge, tour prend, on va avoir beaucoup de matériel en plus. Une pièce, a priori. Mais donc, que je vous leur dis sur tour prend D5, il bouge simplement le roi. Mais maintenant, je peux bouger la dame. Donc, moi, je m'étais arrêté là dans le calcul avec, pareil, cette histoire de elle prend D5, vous prenez D5. Et ben voilà, j'ai du matériel en plus, tout va très bien. Mais en fait, non. L'ordi ici ne reprend pas parce que là, les blancs seraient mieux. Il joue E4, encore une bande d'ordi, cavalier D4, prend D5, cavalier E6, ça a l'air de marcher pour les blancs. On attaque la dame, on attaque le cavalier, mais dame F6, contre-attaque sur la tour A1 et surprise de la tour. Les noirs sont mieux dans cette position, un pion de plus et pas assez de compensation. Bref, vous montrez juste cette variante un peu rapidement peut-être, mais c'était pour vous donner un aperçu de la complexité de la position. Donc j'ai joué fou C4, pas terrible, mais uniquement à cause de cette variante que tous les deux ont pensé ne pas aller pour les noirs. Donc roi H8. Je pense beaucoup plus humain que ce fou prend D5 qui nécessite vraiment un calcul ultra précis pour ne pas être foutu avec les noirs. En tout cas, très mal. Dame A3, et donc ça ressemble à ce que l'ordinateur voulait faire, mais avec le coup cavalier C3, plus utile que le coup fou C4. Pourquoi plus utile? Parce que le cavalier est excentré en A4. Il y a eu prise en D5, et j'ai joué tour D2, assez confiante. Je me suis dit, ben voilà, j'ai mon pion de moins, mais le centre s'ouvre, j'ai largement cette compensation, la même histoire du roi durablement faible pour les noirs, bon, tout va bien. L'ordi n'est pas d'accord du tout, mais heureusement, mon adversaire va se tromper. Ici, l'ordinateur recommande quand même de jouer G5. Et ici, il donne tour C1 comme meilleur coup, parce que tour D1 ne menace pas grand-chose en fait. La menace de capture en D5 n'est qu'illusoire parce qu'il va y avoir un mat de couloir en fin de variante. Et donc ici, il y a quand même un gros vis-à-vis tour dame. L'ordinateur joue dame E8. Et donc les deux coups qui auraient pu marcher pour les blancs ne marchent pas, à savoir il n'y a pas pion prend D6, pion prend D6, dame prend D6, parce qu'il y a cavalier E4. Oups, petite fourchette. Et il n'y a pas non plus fou prend D5,
ou qu'un des 5 ou qu'elle allait prendre, peu importe, tu reprends, qu'elle allait prendre, tu reprends, parce qu'on se fait mater. Et donc, après Dame E8, si on avait joué tour D1, c'était pour mettre la pression sur le cavalier D5 et sur le pion D6, mais ni l'un ni l'autre ne se concrétise. Du coup, c'est un aveu d'échec, et c'est pour ça que l'ordinateur, ici, joue tour C1. Donc, j'aurais été bien embêté après G5, obligé de jouer tour C1, et visiblement, à l'œil humain, à l'œil nu, il y a des compensations pour le pion, mais l'ordinateur dit que quasiment pas, c'est un pion de moins, moins 0,80. Bon. Mais heureusement, mon adversaire s'est trompé assez lourdement en jouant cavalier E7. Il pensait que la pression sur le cavalier D5 était réelle. On peut prendre E5, je vais le montrer, profitant du sacrifice du clouage, pardon. Mais il y a fou prend F3, donc ça va ressembler à la partie. Je préfère ce que j'ai fait dans la partie. D'abord prendre en D6. Fou prend F3, de toute façon ça arrive. Je prends F3, c'est prendre D6. Et donc là on a le choix. Donc je préfère avoir le choix. Soit fou prend E5, ça aurait pu transposer dans fou prend E5 précédemment, soit ce que j'ai préféré faire, tour prend D6, d'après l'ordinateur, les deux coups sont de force équivalente. Donc j'attaque la dame, dame C7, et ici, a priori, il fallait jouer tour C1 pour pouvoir contrer l'idée qui m'a échappé dans la partie, mais qui n'a pas échappé à mon adversaire, à savoir F4, sacrifice de pion. On va voir ce qui se passe en cas d'acceptation. Les noirs vont avoir du jeu. Donc ici, l'ordinateur joue juste fou F1, rapatrie les pièces. Et il donne un avantage quasiment décisif au blanc, tout simplement parce qu'on va prendre le pion A6. Et c'est un pion de plus avec le roi noir durablement faible. Mais sur Dame C7, moi j'avais pas du tout pensé à l'idée F4. Donc j'ai joué fou E6, assez contente de moi. Je voulais avoir des tours D7 possibles en cas de 4 D5, c'est pas un coup. C'était pas en cas de 4 D5 que je voulais avoir. En D7, c'était dans quelle variante? Bah, par exemple, peut-être sur cavalier E8. Enfin, je voulais que si le cavalier bouge, je puisse jouer tour D7. Cavalier E8, tour D7, justifie fou E6, et voilà. Donc je pensais que ce placement du fou E6 était assez intéressant, mais il m'a surprise par F4. Un très joli sacrifice de pion qui libère les pièces noires et menace d'enterrer totalement le fou H2. Donc ici, par exemple, un coup comme E4 est antipositionnel au possible, parce que maintenant, ce fou est emmuré à vie. Hein. Quand, même en finale, si les noirs ont encore une pièce, ils sont gagnants. Parce que ben, quand bien même je joue roi G2, fou G1, j'ai pas d'avenir. Donc sur F4, il faut prendre, puis on prend, fou prend F4. Les noirs ont donné du pion, ont donné un pion, mais pour du jeu. Et ici la question c'est cavalier D5 ou cavalier H5. Il a choisi cavalier H5. Le mieux c'était cavalier D5. Dans les deux cas, je vais jouer tour C1. Mais avec le cavalier en D5. Après dame A5, la tour est bloquée sur cette colonne et donc j'ai pas le coup fou des deux qui va être désagréable. Et donc ici, les noirs ont un pion de moins mais un contre-jeu suffisant pour l'égalité. Dans la partie, il a choisi cavalier H5. J'ai joué tour C1. Et le problème, c'est que sur dame A5, maintenant j'ai fou des deux et les blancs sont gagnants. Sur dame E5, la dame n'a pas beaucoup de bonnes cases, donc dame E5. Tour E1 et sur dame F6, je peux jouer fou G4 et je m'étais arrêté là dans les calculs. Le fou tient tout, j'ai toujours un pion de plus et la position noire est en ruine. Et donc sur tour C1, c'est le début de la combinaison dans laquelle mon adversaire s'est lancé et ça va amener des complications assez folles, d'autant plus qu'on n'avait pas non plus masse de temps. Hein, puis la complexité des positions dès l'ouverture, on avait quand même réfléchi, et la cadence est assez bâtarde avec 1h30 plus 30 secondes par coup, mais c'est tout, même pas de rajout au 40e, donc une fois que 35 notes, c'est pour la vie. Et donc il a sacrifié la dame par cavalier prend F4.
obligé d'accepter le sacrifice, tomber à un échec. Première pointe, assez facile. On ne peut pas jouer tour C1. Pourquoi? Tout simplement parce que tour prend C1 et sur dame prend C1, cavalier E2, échec, un gagne, la dame et la partie. Donc, il me sacrifie la dame, je suis obligé de la prendre, tour B1 et obligé de faire roi H2. J'avais anticipé le sacrifice de dame et le coup suivant, fou E5, et donc là j'avais vu le coup que je vais faire. Juste, j'étais pas du tout certaine, ça me paraissait devoir gagner pour les blancs. Bon, j'avais pas calculé beaucoup plus loin que ça, alors que bah, c'est très compliqué. Donc, matériellement, j'ai une dame de plus pour seulement un cavalier. Enfin, j'ai même, pour être précise, dame pion contre un cavalier. Donc, matériellement, ça va, je suis large. Mais cette batterie et la tour sur la première rangée, en fait, toutes les pièces noires sont ultra actives et menaçantes sur mon roi un peu esseulé. Si je joue un coup comme tour point E7, le coup gourmand me fait tout de suite punir. Cavalier E2 échec. Ce roi G2 s'est mat en un coup, vous l'avez vu, tour G1. Donc obligé de faire F4. Coup prend F4, roi G2. Maintenant j'ai quand même une case, mais le problème, c'est qu'après tour G1, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel en plus, mais pas pour longtemps. Le matériel tombe assez vite. Roi F3, fou prend D6, échec, suivi de fou prend A3. Et c'est les noirs qui vont se retrouver avec une qualité en plus et une position totalement gagnante ici. Donc tour prend E7, paire. On ne peut pas simplement capturer le matériel. On ne peut pas bloquer la première rangée avec tour C1. Comme tout à l'heure, il y a cavalier E2 échec. Et tour prend C1. Menace mat, le cavalier protège la tour. Et donc c'est foutu. Donc il faut absolument parer cette menace cavalier E2 échec, suivi du mat. Pour ça, il faut que j'attaque le fou, mais en plus de l'attaquer, je peux le clouer. Et donc j'ai trouvé le coup de l'ordinateur, dame C3. Très joli coup, le coup le plus fort. Ici, s'il prend, tout simplement, simplification, alors pas encore gagner la finale, mais c'est assez tranquille. Cavalier prend C3, on attaque la tour, on attaque le cavalier, on a un pion de plus. Un seul coup pour empêcher tour prend E7 au suivant, c'est tour C1. Mais ici, on peut simplement consolider la position. On attaque ce pion, le cavalier est toujours l'air, donc à un moment, certes, pour l'instant, dès que je le prends, il y a tour prend C3, mais ce sera pas toujours le cas. Il y a déjà un pion de plus. Le roi noir est probablement maintenant bien plus en danger que le roi blanc. Les deux tours sur la septième rangée, ça peut faire mat. On peut très bien imaginer un tableau tour H7, échec et mat avec le fou qui contrôle la case G8. Donc c'est gagnant, même si en pratique, il faut encore gagner la partie. Mais évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur cavalier D3 échec? L'ordinateur dit qu'on peut jouer dame prend E5. Bon, c'est quand même que le deuxième meilleur coup, mais dans la partie, je ne pensais pas qu'on puisse. Parce que, enfin, je ne pensais pas que ça gagnait. Parce que cavalier prend E5, on n'a qu'un pion de plus. Et si on prend le cavalier, on se fait mater. Cavalier prend F3, même après l'échange des dames, enfin même après avoir échangé toutes ses pièces, parce que lui, c'est pas un échange de dames, il l'a sacrifié et je l'ai contre-sacrifié. Mais là, c'est mat forcé, que j'aille en G2 ou en G3, tour G1 fait échec et mat. Avec toutes les pièces qui participent au tableau de maths, c'est toujours plaisant. Alors, il se trouve que l'ordi ici dit que F4 attaque le cavalier, attaque l'autre cavalier, ça va gagner, prise, et maintenant on peut prendre un 7. Tour prend, et en fait ça va. Ça a fait un petit peu peur, mais les échecs ne sont pas mortels ici. Roi G2, cabane. À noter que le cavalier contrôle la case B2, il n'y a pas d'autre échec. Et maintenant, c'est au blanc qui a une pièce de plus à gagner. Donc, sur F4, la finale est gagnante.
Mais le coup le plus fort, c'était F4, donc j'avais bien pris mon temps pour bien vérifier toutes les complications. Et la pointe d'avoir joué dame C3, c'est qu'il n'y a pas fou pour F4 échec, vu que le fou est cloué. Donc il joue tour prend F4. Menace, tour prend F2, échec et mat. Donc si je prends D3, tour prend F2, mat. Si je joue roi G2 pour m'enlever de ce double échec, bah, c'est quand même mat. Donc il y a plein de jolis tableaux de mat comme ça. Si je prends un E5, ça va ressembler à dame prend E5 de tout à l'heure. Cavalier prend E5, prise, tour prend F2. Cette finale va gagner parce que ici, de justesse, comme tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. Bon, peut-être en pratique, en take note, il faut quand même faire un peu attention. Ici, il y a menace perpétuelle. Il n'y a pas de mat. Bon, on peut jouer un coup comme tour D2, cavalier D3. Il peut y avoir des fantômes. Peut-être tour D8 ici, c'était un gain plus simple quand même. On va changer les tours. Bon, faut arriver à conserver les pions pour gagner, mais clairement, on sent et on sait que cette finale doit gagner. Mais le plus fort, c'est le coup que j'ai joué. Un coup assez amusant. Vous allez voir, tour D8 échec. Et une des variantes amusantes, c'est que ce tour D8 échec peut se voir répondre par tour F8 contre-échec. Donc je fais échec et fais contre-échec à la découverte. Et je réponds contre-contre-échec par dame prend E5. Et là c'est terminé. Prise E5, tour prend F8. La finale est totalement gagnante. J'ai tout en plus. Donc c'était à cette variante qui m'avait convaincu de jouer tour D8. Cet échec contre-échec contre-contre-échec, c'est pas tous les jours. Il a joué roi G7. Du coup, je peux prendre le cavalier sur échec, roi F6. Et donc maintenant, j'ai une dame nette de plus. Mais il y a un seul coup qui gagne. Donc il fallait bien avoir calculé jusqu'au bout. Si j'essaye, parce qu'il y a toujours les mêmes menaces autour de premier de maths, hein. Si j'essaye de rendre la dame, cette fois-ci ça ne marche plus. Elle reprend. Et sur un coup comme tour F8 échec, roi prend E7, prise, roi prend E6. Égalité matérielle, aucune raison d'avoir un quelconque avantage. Si je joue tour F8 échec, roi prend E7, j'ai toujours beaucoup de matériel en plus, mais il y a toujours les mêmes menaces. Sur tour prend F4, il prend pas ici parce que le roi se fait pas mater, il prend la dame maintenant. Cavalier prend C3, cavalier prend F4, cavalier prend B1, cavalier ou roi prend E6, et c'est même les noirs qui sont mieux. Et donc, c'est pas clair du tout. Sur dame A3, échec, il y a encore un contre-échec. Et cette fois-ci, le contre-contre-échec ne donne rien. Et donc, bref, tour F8 ne gagne pas non plus. Seul coup qui gagne, tour F7. Avec deux variantes. Si le roi vient en G5, je prends en F4. Donc là, trop de matériel en plus. Si il prend en C3, maintenant je peux juste faire un petit échec et je capture en C3 et c'est totalement gagnant. S'il prend avec le fou, je peux jouer à G2, sur cavalier en échec, je peux rendre la dame et j'ai une pièce nette de plus. En finale, c'est fini. Donc je m'attendais sur tour F7 échec à ce qu'il prenne ce qu'il a fait. Et donc ici, l'ordinateur annonce mat forcé en 8 coups. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même essayé de calculer le premier coup, la variante qui mène au mat. J'y arrivais pas, mais j'ai joué un gain simple et où j'étais sûre et certaine que ça gagnait. Et en fait, limite, je recommande. Alors, je vais quand même vous montrer le mat, mais il faut bien voir que ce mat, c'est une variante forcée. Si on se trompe dans le calcul à un moment, on ne gagne pas la partie. Donc, l'ordinateur, il joue dame C6 échec. Roi prend F7, tour D7. Ça a l'air mat forcé, on va faire mat de l'escalier, mais roi G8. Et attention, sur dame C8 échec, on perd tour F8 contre échec. Toujours ce thème de échec contre échec à la découverte qui est assez sympa. Mais ici, on prend G6, roi F8, on prend H6, roi E8,
On fait échec. Et donc, c'est amusant, mais chaque fois, la tour voulait parer l'échec en faisant un contre-échec, mais elle n'y arrivait pas. Roi F8, tour D8, échec, tour G8, et dame G6, échec et mat. Donc, cette variante précise, avec à chaque fois, on choisit le bon échec pour que la tour noire ne puisse pas s'interposer en faisant un contre-échec, et on gagne. J'ai simplement échangé ici. Fou prend F4 échec. Roi G2, cavalier E1, seul coup pour tenter quoi que ce soit. En vrai, on peut quand même jouer roi F1. Les échecs ne sont pas mortels, mais le plus simple, on sacrifie la dame. Tour E1 et tour E8, échec, abandon, mettant fin à cette partie assez folle. Et je dois remercier mon adversaire pour avoir tenté ce sacrifice de cavalier prend F4. Qui certes perdait, mais la position était déjà perdante, donc ça a amené ses complications. Au moins, il a saisi sa chance. Et aussi, pour l'analyse post-mortem à l'ancienne, c'est vrai qu'après la partie, bon, on sentait que s'était passé quand même quelque chose avec les complications étaient folles. On voulait pas juste mettre devant l'ordi et puis qu'ils nous disent sa vérité parfois un peu sèche. Et on a gardé la magie dans les yeux en analysant sur un échiquier à l'ancienne. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!